Ah? Est-ce que vous me suivez? All right. Praise the Lord. Louange à Dieu. Excessive joy. Une joie excessive. You're just rejoicing. Vous êtes juste en train de vous réjouir. Like I told you to rejoice. Comme je vous ai dit de vous réjouir. This morning. Ce matin. You don't know why. Vous ne savez pas pourquoi. Can somebody rejoice? Que quelqu'un peut-il se réjouir? All right, number three, line three. Maintenant, numéro 3. Lack of sleep in the night. Le manque de sommeil dans la nuit. Lack of sleep. Le manque de sommeil. L'insomnie. Lack of sleep. Le manque de sommeil. You do everything, you can't sleep. Vous faites toutes choses, mais vous ne pouvez pas dormir. I have trained myself. Je me suis entraîné. That if sleep refuses to come. Que lorsque le sommeil refuse de venir. I know it's time to pray. Je sais que c'est le moment de prier. Amen. Amen. And sometimes you find out. Et quelquefois vous allez trouver que. When you lack sleep. Lorsque vous manquez de sommeil. And you refuse to pray. Et vous refusez de prier. The battle that you are supposed to fight. La bataille ou le combat que vous êtes censé combattre. In the morning you will meet it. Le matin vous allez rencontrer cela. The Holy Spirit wants to lead us. Le Saint-Esprit veut nous diriger. But we need to be sensitive. Mais nous avons besoin d'être Number sensibles. Four, Numéro 4. Lack of peace. Le manque de paix. Even when everything around you is okay. Même lorsque toute chose autour de toi va bien. You don't have peace. Tu n'as pas la paix. The Holy Spirit is calling you. Le Saint-Esprit t'appelle. Come and pray with me. Viens prier avec moi. That's why the Bible says pray without ceasing. C'est pourquoi la Bible dit de prier en tout temps. Pray without ceasing. Prier en tout temps. I'm not giving you scriptures. Je vous donne pas les écritures. So that you can buy the book and take your own scripture. Afin que vous achetez le livre et preniez les écritures. Number 5. Numéro 5. Holy laughter. Un sourire saint ou un rire saint. Holy laughter. Un rire saint. You are alone, just see yourself. Vous êtes seul, vous êtes juste là, on te voit en train de rire. Vous êtes en train de rire. Rire. Vous ne faites que rire. Vous riez. You try to stop it, you can't stop. Vous essayez d'arrêter cela, mais ça ne s'arrête pas. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. That is telling you qui vous dit that is a blessing. Il y a une bénédiction that have left the hand of God. Qui a quitté la main de Dieu. Come and commune with me. Viens et communier avec moi. So that we can release it. Afin que nous relâchions cela. Get the details in the book. Prenez les détails dans le livre. Number 6. Numéro 6. Satan knocks at the door in the night while you are asleep. Quelqu'un cogne à votre porte la nuit alors que vous êtes en train de dormir. Satan. Certains coups à la porte la nuit alors que vous dormez. I don't know whether it has happened to you. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. You had a knock. Vous avez des coups toc toc toc. You run out, you open the door. Vous courez, vous ouvrez la porte. You didn't see anybody. Vous ne voyez personne. You went back. Vous retournez. And you had a knock again. Vous avez encore des coups, des toc toc. Some of you will say it's demons. Quelqu'un d'autre vous dirait c'est des démons. I buy demons. Je lis les démons. The Holy Spirit is waking you up to pray. C'est le Saint-Esprit qui te réveille afin de prier. The way you walk with the Holy Spirit and you are sensitive, you enjoy life. Il y a une façon dont vous allez marcher avec le Saint-Esprit. Vous êtes sensible et à ce moment vous allez vous réjouir de la vie. I told you he's interested in everything about you. Je vous ai dit qu'il est intéressé à tout ce qui vous concerne. If you ask the Holy Spirit, si vous avez le Saint-Esprit, wake me up by four. Réveillez-moi à 4 heures. He will orchestrate something that will make you to be awake by 4. En fait, il va orchestrer quelque chose qui va faire en sorte que tu te réveilles à 4 heures. You will hear some noise. Tu vas écouter des bruits. And you jump. Et tu vas juste te réveiller. You look at your watch. Tu vas regarder ta montre. It's 4 o'clock. Il est 4 heures. And sometimes, et quelquefois, you will feel like somebody touching you. Tu vas sentir comme si quelqu'un te touche. Et yo, Christian, say, hey! Un chrétien, yo, il va crier. Le feu. Fire. Because
Because you don't understand how this thing works. Parce que vous ne comprenez pas comment est-ce que cela fonctionne. Amen. Amen. Praise the Lord. Louange à Dieu. How many of you have had somebody call your name in the night? Combien d'entre vous avons entendu quelqu'un appeler votre nom la nuit? You will say jamais. You will say never. Mon nom. My name. Dans le royaume de Satan, au nom de Jésus. In the kingdom of Satan, in the name of Jesus. We need to hear God's voice. Nous devons entendre la voix de Dieu. I was alone in the room. J'étais seul dans la chambre. And I heard this voice. Et j'ai entendu cette voix. Victor! 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 Wake up! Lève-toi! Pray! Pray! People are dying. Les gens meurent. 3 a.m. in the morning. À 3 heures du matin. Was it Satan that was calling me? Est-ce que c'était Satan qui m'appelait? I'm too big for Satan to call my name. Je suis tellement grand pour que Satan appelle mon nom. Amen. Amen. All right, number 7, please. Alors numéro 7. Okay, I said this already. Je l'ai déjà dit, numéro 7. Feeling the touch of someone in the night while you are asleep. Tu sens le toucher de quelqu'un la nuit alors que tu dors. I've already said that. Je l'ai déjà dit. Hallelujah. Amen. Number 8, I've already said that. Numéro 8 aussi, je l'ai déjà dit. Hearing somebody calling you. Écoutez, entendre quelqu'un vous appeler. But you need to discern the voice. Mais vous devez discerner la voix. The Bible says, discern every spirit. La Bible dit discerner tout esprit. 1 John chapter 4 verse 1. 1 Jean 4 verset 1. I just pity you to give that. Je suis juste pitié de vous, alors je vous ai donné ça. Number 9. Numéro 9. It can come through impression. Il peut venir à travers une impression. In your spirit. Dans votre esprit. Or you are pressed in the spirit. Ou bien vous êtes pressé dans l'esprit. You know that the Holy Spirit. Vous savez que le Saint-Esprit. Is calling you for a time of communion. Vous appelle pour un temps de communion. Praise the Lord. Louange à Dieu. Now, we are going to end with this. Maintenant nous allons finir avec ça. He also leads us through many ways. Il nous conduit aussi à travers plusieurs voies. He leads us through our conscience. Il nous conduit aussi à travers notre conscience. That's why your conscience needs to be alive. C'est pourquoi votre conscience doit être en vie. So that when the Holy Spirit is speaking, you can catch it. Afin que lorsque le Saint-Esprit parle, vous pouvez attraper cela. Ou saisir. He also leads us through his word. Il nous conduit aussi à travers sa parole. You are reading the word of God. Vous lisez la parole de Dieu. And suddenly, et soudainement, the logos is turned to rhema. Le logos est devenu rhema. You receive a revelation. Vous recevez une révélation. The Holy Spirit is leading you. Le Saint-Esprit vous conduit. Especially when you are in a difficult situation. Spécialement lorsque vous êtes dans des situations difficiles. He will lead you through his word. Il va vous conduire à travers sa parole. Inner prompting or inner witness. Un témoignage interne. Conviction. Une conviction interne. By a small still voice in your heart. Par une toute petite voix dans votre cœur. That's the way he leads. C'est comme ça qu'il vous conduit. He also can lead you to external circumstances. Il peut aussi vous conduire à travers des circonstances externes. He leads through vision or dreams. Il vous conduit par des visions, des rêves. He also leads by the confirmation in the scripture. Il vous conduit aussi à travers la confirmation de l'écriture. The Bible say, la Bible dit, by two or three witnesses every word shall be confirmed. Par deux ou trois témoins, toute parole sera confirmée. He leads us through logoton rhema word. Il nous conduit aussi à travers le logos devenu rhema. Okay. He leads us through the peace of mind. Il nous conduit aussi par la paix de la pensée. In certain difficult situations. Dans des situations difficiles. He also leads us by signs. Il nous conduit aussi par des signes. And also leads us by certain hindrances. Il nous conduit aussi par certaines blocages. Okay, certains blocages. In Acts chapter 16. Dans Actes chapitre 16, Paul wanted to go to a missionary journey. La Bible, Paul voulait aller à un voyage missionnaire. And the Holy Spirit stopped him. Et le Saint-Esprit l'a arrêté. Amen. Amen. Don't be too much in a haste. Ne soyez pas trop pressé in life. Dans la vie.
When you want to do things, lorsque vous voulez faire quelque chose, and there are blockages, et il y a des blocages, wait and pray. Attendez seulement et priez. Don't say ils sont contre moi. Don't say hey, they are against me. C'est le sorcier de la quartier qui sont regroupés contre moi. This is the witchcraft of the neighborhood. They are against me. Et le matin, tu ne pourrais pas parler avec les gens. Ils sont des sorciers. C'est and le... in the morning, you can't talk with them. The Holy Spirit knows where you're going. Le Saint-Esprit sait là où tu vas. He knows you. Il te connaît. He knows how you will get there. Il sait comment est-ce que tu vas arriver là-bas. Sometimes when you manifest before your time, you will die. Quelquefois, lorsque tu te manifestes avant ton temps, tu vas mourir. I registered my ministry. J'ai enregistré mon ministère. I want to start church. Je voulais commencer l'église. Government gave me paper. Le gouvernement m'a donné des papiers. J'avais mon récépissé. And I began to pray. Et j'ai commencé à prier. The Holy Spirit said, le Saint-Esprit a dit, go and hide that paper. Va et cache ces papiers. And go and submit yourself. Va te soumettre. Does the Holy Spirit est-ce que le Saint-Esprit against doing church? Est contre le fait que j'ouvre une église? Hein? But he knows me. Mais il me connaît. He knows what I'm going to face. Il connaît ce vers quoi je vais faire face. If I started that church. Si je commençais cette église. But today. Mais aujourd'hui. People are running for title. Les gens courent pour des titres. People want to start church. Les gens veulent commencer des églises. Are you led by the Spirit to do it? Êtes-vous conduit par l'Esprit pour le faire? For as many that are led by the Spirit of God. À ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. So if you're not led by the Spirit of God, alors si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, you're leading yourself. Vous vous conduisez vous-même. And when you lead yourself, et lorsque vous vous conduisez vous-même, yourself will destroy yourself. Vous-même va vous détruire. Vous allez vous détruire vous-même. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I hope I have done something concerning this subject. Louange à Dieu. J'espère que j'ai fait quelque chose concernant ce sujet. Allow yourself to be led by the Spirit. Permettez-vous d'être conduit par l'Esprit from de Dieu today, à compter d'aujourd'hui. And you'll be blessed. Et vous serez béni. Amen. Amen. Somebody say this morning, Holy Spirit. Quelqu'un dit ce matin, Saint-Esprit. I give myself to you. Je m'abandonne à toi. Lead me. Conduis-moi. From today. À compter d'aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. If you have your title.